On est arrivé. Hop, 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 hop. Je l'ai loupé. Name, name, name. Recule. Recule. Recule, name. Recule. J'ai loupé. Voilà. S'il te plaît. J'ai loupé le virage. Voilà. Ah, toujours délicat en début de mission, bien entendu. On va se prendre une nouvelle petite mission, les gens. Cette fois-ci, on est à Clermont-Ferrand. On... Oh putain. Oh putain, mais c'est pas là. Ouais, bah ça va, Name. Ça va. J'ai loupé le chemin. Cette fois-ci, on part de Bâtisse. Voilà. Mais si, je suis très net, moi. On part de Bâtisse. Et on va aller, je ne sais pas où. Oui, Nicolas. Est-ce que t'aurais Paris, Dijon ou Metz? Alors, je vais te dire ça. Je suis actuellement à Metz. Ni l'un, ni l'autre. J'ai Bourges ou Clermont. Et vu que je suis déjà à Clermont, je pense qu'on va aller à Bourges. Voilà, tout simplement. Donc, MDR, pourquoi tu vas chez les gens comme ça? J'ai pas fait exprès. Ça va, Jonathan? Salut l'inconnu. Je te dis, tu as un pseudo noir, en fait, et mon fond d'écran, il est noir. Je ne vois absolument pas qui c'est. Absolument pas qui c'est. J'arrive pas à voir ton pseudo. Salut Yacoub. Bon, alors je pense, on va se prendre une petite mission de, voilà, de Clermont-Bourges. Bien sûr, nous sommes toujours avec Twitch. Oh là là, mon dieu, on est plus de 5000 dans le chat. Hein. Oh, c'est un truc de fou quand même. Elle est où notre morgue? Elle est là-bas. Votre morgue est prête. Allez, c'est y part. Putain, mon vieux, mais c'est du cross là-dedans. C'est tellement un truc de ouf, quoi. Voilà. Où est-ce qu'elle est, notre marque? Oh, on va transporter du béton. Putain, au début, j'ai cru que j'allais prendre la caravane à côté, là. Ce serait mis tellement bien. Voilà. Tiens. Il y a Jean-Mi qui... Il regarde si je fais un bon boulot. Ça va bien se passer. Ouh, il regarde Naïm de travers, quand même. Hein. Je crois qu'il l'a vu arriver. Voilà, écoutez, on va prendre la benne. Nickel. Yes! Et donc, on est parti jusqu'à Bourges. Alors, on va voir ce qu'on transporte. À mon avis, ça doit être du béton ou quelque chose dans le genre. Non, c'est de la terre excavée. Voilà, de Clermont jusqu'à Bourges. Il nous reste 9h14 et pour un total de 5871 € pour la mission. De Clermont à Bourges, c'est très correct. Très correct. Pour un routier de l'extrême comme nous. MDR, le camion avec la caravane, ça passe, hein. Fais-nous un petit drift. Oh, t'inquiète. Ça va arriver plus vite que tu le penses. Et sans le vouloir. Hein. C'est bien souvent comme ça, d'ailleurs. Bon, Name. Où est-ce qu'il... Ah, attendez. Attendez, attendez. On va prendre Name avec nous sur le Discord. Oui, Name, si tu nous entends. Voilà, je vais te prendre sur le Discord. Alors, attends, bouge pas. Name. The Namey. Ça doit être The Namey, sûrement. Alors, The Namey. Name, comment vas-tu? Allo, Name? Allo, allo? Ouais, comment vas-tu, Name? Bah, ça va bien. Oh, punaise, par contre, ton son est... Ça va bien? Comment? Bah, oui. Bah, oui, et tout. Oui. Allo, Name? Je crois que... Tu captes, pas très, tu captes pas très bien dans ta CB, Naïm. Ouais, c'est ça, il m'entend pas. Moi, de quoi Moi, tu m'entends. M'entends. Ouais, ouais, je t'entends. Ouais. Bah oui. Allô, allô, Jolette. Oui. Oui. Ah bah voilà. Ah bah, Naïm, il va falloir, falloir penser à monter le son de ton casque, hein. Naïm. Ah bah là, ouais, bah désolé, mais mon casque, il est... Ah, je comprends. Je voilà. Comprends, je comprends, je sais ce que c'est. Tout à fait. Alors, est-ce que tu me suis, Name? Oh là, attention, ouais. Tu vas prendre le rouge, hein. Oh, j'ai pris le orange, tu rigoles, j'ai pris le orange. Il est taré, franchement. J'ai pris le orange, quoi. What? Du coup, j'avais pas Bourges, donc Nicole. T'as pas Bourges? Non, non, j'avais rien, donc j'ai... Ouais, est-ce que t'as le DLC Vive la France? Ouais. Bah, yes, vu que j'avais okay. Toi, oui. On va essayer de rejoindre Nicolas. Ok, ok. Qui n'a pas le DLC, qui nous attend du côté de Metz, Paris. T'inquiète pas, Nicolas, on pense à toi. On te fait des bisous sur le live, sur le Discord. Voilà. Ça, c'est pas...
En attendant, je vais me faire mon nouveau camion Mercedes. Ouh là 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 là. Hey Name, tu mets un coup de klaxon si tu vois que je fais du deux roues dans le virage, hein. Tu me préviens. Ouais. Déconne pas, quoi, tu vois. Aïe aïe aïe, fais un wheeling. Oui, ça va bien se passer. Les distances sont réalistes. Franchement. Non. Enfin, je veux dire, oui et non. Oui et non. Voilà. C'est-à-dire que, bon, par exemple, dans la vraie vie, pour faire un. Je sais pas, moi, pour faire un Bourges-Marseille, tu vas en avoir pour 7-8 heures de route. Alors que dans le jeu, tu vas en avoir pour aller. Une demi-heure, quoi. Une heure, une demi-heure. À tout casser. Donc, non, dans ce sens-là, c'est pas spécialement réaliste. Mais par contre, ça se compte en temps de jeu, quoi, tu vois. Putain, mon vieux, comment qu'il est passé? Quoi? Qu'est-ce qu'il y a, Naïm? Tu m'as vu faire du non, rien du tout. C'est ça. Du coup, Joël, ça t'arrangerait que je t'attende vers où? Paris ou... Voilà, exactement. Je cherchais le nom. Le jeu est en échelle. Voilà, c'est à une échelle. Échelle 1/19. C'est très bien expliqué de la part de Cave. Voilà, chercher le mot. C'est à une échelle plus petite. Il est clignotant, non mais oh. Ah oui, oh, ça va, Naïm. Oh là là, et tu sais où on va quand même. Par contre, c'est horrible d'être à Calais. Ah oui, non, mais Calais, c'est horrible. Calais, c'est l'enfer là-bas. Non, non. C'est le goulard, le goulag. Comment qu'on appelle ça? Merde. Le goulag ou je sais plus quoi là. Enfin bref, c'est l'enfer. Nicolas, dis-nous, où est-ce que tu es, Nicolas? Là, je suis à Metz. J'aimerais bien savoir vers où ça t'enjeu. Ok, tu es à la messe, Nicolas. Pas de panique, nous allons te rejoindre. Prie encore un peu plus fort. Ça va arriver. Et donc, Naïm, attention, Naïm. Hein. Oh là là, Naïm, t'es un fou, hein. Ouais. T'es un fou du volant, hein. Bon, tu passes au télépéage? Ouais, vas-y, je passe au télépéage aussi. Normalement, il n'y a pas besoin de s'arrêter au télépéage. Oh. D'accord. Mon camion, il a pris cher, mon gars. Mon camion, il a pris trop cher. En principe, il n'y a pas besoin de s'arrêter au télépéage. Sauf quand t'arrives à 90. En général, il faut freiner un petit peu. Putain, mon camion, il a pris tellement cher, quoi. Mais c'est très long. Ouais, c'est long quand même. Les distances, ils sont bien, quoi. Tu vois? Et par contre, Nicolas? Oui. J'ai fait éviter les autoroutes, moi. Ah ouais, t'as pris l'autoroute. Comment tu sais que je me retrouve? Comment tu sais que je me retrouve sur l'autoroute? Faut prendre un trajet. C'était parce que tu l'as fait après avoir pris la mission, peut-être. Ah bon? Bah, je sais pas. Je crois pas. Attends, Naïm, je me gare. Je me gare sur la bande d'arrêt d'urgence. Voilà. Ça t'a fait prendre l'autoroute, c'est qu'il n'y a pas de petit chemin à part. Je mets le frein à main. Je regarde si j'ai fait appliquer. Donc jouabilité, mode de navigation, éviter les autoroutes, oui, c'est bon. Si vous évitez les autoroutes. Ouais, ouais. À mon avis, c'est peut-être qu'il n'y a pas le choix de prendre l'autoroute par là. Je sais pas. Du coup, je vois que ça t'arrangerait que je descende vers Paris, du fond. Bah moi ça me dérange pas, je vais à Bourges. Tu peux aller où tu veux, Nicolas. Non mais oui, je comprends, mais on va essayer de te rejoindre. On va essayer de se rejoindre, Nicolas. Voilà. Hashtag je suis Nicolas dans les commentaires, bien sûr, dans le chat. Prions pour Nicolas. On va réussir à te rejoindre. Par contre, American Truck Simulator, la map va être immense. Dommage qu'il n'y ait personne en multi. Mais American Truck Simulator, il est déjà sorti depuis un moment, Kev. Ça fait au moins 2 ans qu'il est sorti, American Truck Simulator. Et effectivement, la map est immense. Mais bon, il y a moins de monde. En tout cas, je pense que les joueurs européens vont plus jouer à Euro Truck Simulator. Et en Amérique, ils sont plus sur American Truck Simulator. Voilà. Ce qui est un petit peu normal. Oui, je sais, mais il y a plein de DLC qui sortent en ce moment. Ah bon? Ah ça, par contre, je suis pas au courant, tu vois. Olé. Ah, dis donc, Naïm, fais gaffe, hein. Olé. Putain, mais t'arrives comme un taré, mon vieux. Je suis à donf en plus, je peux pas aller plus vite là. Je suis vraiment à fond, quoi. Ça risque d'être 3 fois plus grand que TS2.
Et donc, ETS2, il est déjà... Il s'est réabonné comme les autres. Salut, comment ça va? Merci Merlin pour ton abonnement, pour ton réabonnement. Ça me fait super plaisir. Eh ben écoute, ça va impeccable. On est sur Euro Truck Simulator 2. Et on se dirige vers Bourges. On est parti d'où, Naïm? Est-ce que t'as suivi? Clermont-Ferrand. Oh, c'est bien, c'était pour voir si tu suivais. On est parti de Clermont-Ferrand. Et on va jusqu'à Bourges. Bon live, Jonathan, à plus tard. Ça marche, Joke, à plus tard. Il a claqué le nitro. Oh, ouais, c'est clair que t'as claqué le nitro, Naïm. Hein. C'est un truc de ouf. Hein. J'ai pas évité les autoroutes. Qu'est-ce que tu fais, Naïm? Je t'attends, parce que je sais pas par où c'est. Bah, c'est par là. Ok. C'est à droite. Voilà. Ouh. Ça passe. On n'a pas croisé grand monde. Hein. Pour l'instant, non. Mais on est bien en ligne. Hein. Attends, bah, va du côté de Calais, mon vieux. Tu vas voir si tu vas pas croiser grand monde. Tu vas voir l'anarchie là-bas. Là-bas, ils sont en manifestation toute l'année. Ils font la grève dans tous les coins de rue. Salut, Striders. Comment tu vas? Salut, Mainfire. Live sur Walking Dead Overkill? Ah bon? Je sais pas, j'ai pas le jeu, Titi. J'ai pas le jeu du tout. Bon, cette fois-ci, on y va tranquille. Voilà. On passe au télépéage, bien sûr. 31 euros de péage. Ça reste très correct. Pour le trajet qu'on a fait. Hein. Oui. Fait un bon trajet sur l'autoroute. Hein. Attention, clignotant. Vous avez vu quand même, je suis un bon citoyen. Hein. Depuis le début, je suis un bon automobiliste. Oui, un bon camionneur, je veux dire. En fait, ta mission, si je peux te conseiller, c'est aller vers l'Allemagne. Vu que tu prends les petites routes, t'as plein de monde. Enfin, il y a quand même pas mal de personnes, puis c'est des belles petites. Ah ouais? C'est magnifique. Bah, en fait, si tu veux, faudrait que j'ai les missions, Nicolas, tu vois. Faudrait qu'il me propose les missions. Bah, sinon, au pire, ce qu'on peut faire, on peut y aller. On y va dans le vide et puis on essaie de trouver un truc vers Metz. Ah, moi. Ouh, c'est charmant ce petit village là par là. C'est très joli. Moi, j'y suis déjà allé dans le. Naïm, mais t'es malade? Pourquoi tu klaxonnes comme ça? Moi, j'aime bien toujours avoir une petite remorque, moi. J'aime bien une petite remorque. Charmant ce petit village, cette petite ville. Dis donc, ils font même de la pub pour American Truck. T'as vu, il y avait une affiche. Ah non, j'ai pas vu. Très jolie cette petite. Oh putain! La vache! Je sais pas ce qui se passe à Calais. Je sais pas ce qui se passe. Attends, non mais. Bah, faudrait que tu vois ça, mon vieux, mais c'est un truc de fou. Je sais pas ce qui se passe à Calais dans ce jeu. Tout le monde, mon gars, tout le monde est à Calais. Tout le monde. C'est que. Ouais. Faut passer par Calais pour aller au Royaume-Uni. Ouais, non mais. Non mais pas forcément, mon vieux. Pas forcément. Tu peux passer par la Bretagne. Tu peux passer par par Cherbourg, je crois. Enfin, après, ça, c'est si t'as le DLC Vive la France. Voilà. Donc, la plupart des gens ne l'ont pas. Et pourquoi ils veulent tous aller au Royaume-Uni en passant par Calais? Il faudra un DLC juste pour Calais. Mon gars, je te jure, tu vas à Calais. Bah, déjà, mon PC, il supporte pas. Voilà. Il lag. Il y a trop de camions, c'est la grève dans tous les ronds-points, mon vieux, c'est plein de manifestants. Cherbourg, c'est les promos de Kevin. D'accord. Alors aussi, prochaine fois, les gens. Oh putain. Prochaine fois, ce que je voudrais bien vous proposer, c'est un petit peu de solo sur Eurotruck, autre que le multi. Parce que ce qu'il y a, c'est que sur le multi, bon bah tu rencontres que des camions. Mais sur le solo, non seulement t'as les promos, comme vient de nous le dire Kev. Donc effectivement avec les promodes ça te rajoute plein de petites villes et tout. Et surtout t'as de la vraie circulation, tu vois ce que je veux dire. Voilà, t'as des voitures, t'as un peu de tout quoi. C'est vraiment génial en solo. Moi perso je préfère le mode solo que le mode multi. Bah, si je prends le mode multi c'est aussi pour jouer avec vous hein. Voilà hein. Pour jouer avec, bah, avec les gens qui veulent jouer quoi. Sinon c'est vrai que ça tiendrait qu'à moi, je partirais plus en solo. Sur les promos et tout, comment que ça déchire. T'as vraiment tout plein de petits villages et tout. En plus, l'Islande... Ah oui,
Ah, t'as l'Islande sur les promodes? Va falloir que je vois ça, hein, parce que moi, je les ai, les promodes. Mais je sais pas si ils sont à jour, tu vois. Je sais vraiment pas s'ils sont à jour. Oula, oh là là, Name, mon dieu, mais t'as des rollbacks. Comment tu fous les poules, mon gars? Oh, comment qu'il a doublé sur la ligne blanche en plus. Mais ça, c'est interdit, ça, Name. Putain. Oh putain. Oh la vache. Vas-y, je te laisse reculer, je te laisse reculer. Hey, ça fait un moment que je te suis sur YouTube et j'aimerais bien sub. Et je fais comment, PS? Est-ce que c'est payant? Alors oui, Théo, c'est payant. Voilà. Sinon, vous pouvez avoir... Alors aussi, vous pouvez sub gratuitement à la chaîne. Pour ça, c'est très simple. Il vous faut juste un compte Amazon Prime. Voilà. Jolène, dépêche-toi, il y a quelqu'un qui attend. Par exemple, t'as un compte Amazon Prime, tu peux sub à la chaîne gratuitement. Ça, c'est cool quand même. Ou un compte Twitch Prime, je sais plus. Je suis là, hein. Mais qu'est-ce que tu fais, Naïm, là? Passe. Ah, tu me laisses passer, d'accord, j'avais pas compris ça comme ça, moi. D'accord, oui. Je vais prendre une voiture au lieu d'un camion. Ah bon? Bah, la voiture de police, par exemple. Voilà, en soi, c'est pas si gratuit que ça. Exactement, Exarcode. Voilà. Mais par exemple, je veux dire, admettons, tu t'inscris sur Amazon. Tu vois? Voilà. Tu sais qu'à chaque fois que tu t'inscris sur Amazon, même si tu prends à chaque fois une nouvelle adresse mail, t'as toujours Amazon Prime gratuit pendant un mois, tu vois, pendant 30 jours. Et ben, voilà. Tu fais plein de comptes Amazon et tu t'abonnes plein de fois. Et moi, ça me fait plaisir. Tu vois ce que je veux dire? Voilà, tout le monde est content ou pas? Hein? N'est-ce pas, Name? Tu es d'accord avec moi, Name? Ouais. Ouais, tu vois, ouais. Il a rien écouté, mais il est d'accord avec moi, quoi. Voilà. Exactement. Il s'en fout complètement. Il déroule derrière. C'est tout, quoi. Ah, mais je suis concentré. Ça se prononce on Amazon. Bah eh ben ouais, j'ai toujours dit Amazon. Voilà. Oh putain. Voilà. En décembre, je me sub à toi. Ce sera mon cadeau de Noël, Ultimaco. Merci. Ça me fait plaisir. Jolat, si tu veux. Oui. Je viens de m'acheter une voiture pilot. Une voiture quoi? Pilot, en gros, pour te guider. Une voiture pilot? Ouais. Bah, c'est ce qu'on voulait faire en fait. Comme les convois exceptionnels. D'accord. Bourganeuf. Bourganeuf? C'est quoi cette ville? En tout cas, très jolie. Très très jolie. Après, il y aura Bourgadis. Ouais, bah, je sais pas. C'est plutôt sympa par là. C'est sympa quand même quand t'évites les autoroutes et tout. Hein. Je te dis, si tu veux vraiment le bon rouge, je te conseille l'Allemagne, vraiment. Nasco va bien? Nasco va très bien, oui. Ce jeu a l'air bien. Ce jeu est très bien, Ultimaco. Il est vraiment excellent. Vraiment, c'est juste kiffant de se balader comme ça, à travers la France, à travers l'Europe, faire des livraisons au camion. C'est vraiment le top, quoi. J'ai clip le juste. J'ai acheté ce jeu parce que je t'ai vu jouer. Ah bon? Ouais, j'ai directement, j'ai fait. Ça a l'air trop bien. Oh, tu l'as pris avec le petit G2A, j'espère. Non, 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 par contre, c'était vraiment le début. J'ai. Mauvais abonné. Dites-lui tous mauvais abonné. Quel mauvais abonné celui-là? Bon, c'est pas grave, au moins t'as pris du jeu. Ouais. Le Mans, Paris. Toulouse. Alors, c'était un mélange entre Toulouse et Limoges. Voilà, ça a donné Toulouse. Toulouse. Timaco, mauvais abonné. Xarkun, mauvais abonné. Ben oui, tu vois. Tu vois comment qu'ils te disent un petit peu dans le chat, Naïm. Ouais, j'étais plus rapide sur Steam. Voilà. Toulouse. Alors, direction La Rochelle, c'est parti. Mais pourquoi je prends la direction de La Rochelle pour aller à Bourges de Clermont-Ferrand? Parce que tu prends pas les autoroutes. C'est chiant. Ouais, mais il y a un souci là. Il me fait faire un détour, c'est pas possible, mon gars. Est-ce que j'ai pris la bonne route? Attends, on va à Bourges. Oui, on va à Bourges. Et c'est pas possible, il reste pas qu'à... Il y a pas 480 km de Clermont-Ferrand jusqu'à Bourges. C'est impossible. Attends, je m'arrête. Je m'arrête. Il y a pas une couille quelque part là? C'est impossible, il y a pas 480 km pour la Bourges. Bah non, en fait, mais on va de l'autre côté. Ah bah mon gars, mais regarde le détour qu'il me fait faire.
Non mais sérieux quoi? Ah ouais? D'accord. En fait, je partais de Clermont-Ferrand, Bourges est là, tu vois? Non, il me fait faire tout le tour de la France pour revenir à Bourges. Mais je me disais bien aussi. Bah écoute, tu sais quoi? Moi, déjà, ce que je te propose, c'est d'enlever mon... Mais pourquoi il m'a fait faire un détour, mon gars? Parce qu'il n'y a pas de route pour aller à Bourges, à part... Mais tu rigoles, toi? C'est que des autoroutes, sinon. Ouais, non, mais attends, dans la vraie vie, mon vieux, même sans prendre l'autoroute, je veux dire, Clermont-Bourges, il n'y a pas 480 bornes, quoi. Captain 2001, salut! Non, mais what the fuck, quoi? Bah, écoutez, les gars, bah, vas-y, on va découvrir la France un petit peu, hein. Découvrons la France aujourd'hui en allant jusqu'à Bourges. Je me disais bien aussi, putain, mais elle est longue la route, mon gars. C'est pas normal, ça. Bon, bah écoute, c'est pas grave. Ça nous fera découvrir un petit peu de route. What the fuck, effectivement, Arc. Je comprends absolument pas pourquoi. Et ça, c'est pas RP, tu vois, hein. Parce que même sans prendre l'autoroute, je veux dire, t'as normalement, en principe, t'as d'autres routes. Bah, qu'est-ce que tu fous, Name? Attends, j'ai... Tu t'es pris le trottoir ou quoi? Non, j'arrive. Non, mais j'arrive. Ah ouais? Oui? J'étais à Rotterdam pour acheter une Mercedes et ouais. Au moins 50 personnes. C'est un peu le bordel, non? Ah bah, ça m'étonne pas, tu vois. Voilà. Quand t'arrives du côté Rotterdam, t'es passé par Calais? Non, j'ai tenté portant parce que j'étais à la concession Mercedes. Ah, yes, ok, d'accord. Bah, ça m'étonne pas qu'il y ait un peu de monde. Je suis à la... Ouais, c'est carrément pas RP cette route pour aller à Bourges, quoi, de Clermont. Si tu veux, je veux, on passe un petit truc RP vu que j'ai acheté une voiture pilo. Ah yes, 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 on peut faire. Ah, on peut se faire une petite scène RP, ça peut être sympa. Effectivement. Alors, je suis juste à la dèche, hein, par contre. Ah oui? Ouais, j'ai 60 000 d'argent. Ah! Ouh! Maman, j'ai 300 000. Oh, ouais, j'ai fait un petit 2 roues. Mais t'es un ouf, Name! T'es un ouf, mon gars. Je te vois derrière dans le rétro, là. Allez. T'as quoi, t'as un marque, même, comme camion? Man. Ouais, c'est un man, ouais. J'ai pris le plus cher. Ok. Nucléon, Civo. Et c'est sympa, quand même, de passer par les petites routes, hein, franchement. Salut, Lucas! Et salut, les gens qui arrivent. Ça va, tranquille? Oula. Bah mon vieux, bah oh. Il est fou lui. C'est un endroit pour s'arrêter ça? Alors? Oh. Non mais sérieux. J'ai cabine accessoire, le DLC le génitude du monde. Le jeu ETS 2, il date de 2012 déjà. ETS 2 date de 2012. Putain, il y a moyen hein. Je m'en souviens, avant je jouais au 1. Wow, oh bah j'étais pas né hein. C'est carrément possible. Mais le 1 était déjà énorme, hein. Le 1 était déjà bien. J'avais déjà installé des mods sur le 1 et tout, je m'en souviens. C'était vraiment excellent. J'ai fait un salut Evie Slim, ça va tranquille? Le conducteur de camion. Eh oui. C'est bien moi. Name, t'es chaud hein, Name. Hein. T'es chaud, chaud, chaud. Hein. Oh, petit deux roues, mon vieux, comme ça, là, dans le virage. Oh, pop, 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 pop! Et merde! Bon, bah, écoute, c'est pas grave. C'était l'occasion de réparer mon camion. Non. Ah, si. Je me suis retourné dans le virage. J'ai fait un petit tonneau. Ça arrive. Ça arrive, ça arrive. F7, on va appeler la dépanneuse. Non, j'ai pas reculé, les mecs, j'ai pas reculé. Je crois que tu m'as dit. Je crois que tu m'as donné une karma. Bah, j'ai pas reculé. J'ai pas reculé. Ah, bah, si, j'ai reculé, mon vieux. Pipac un peu. Bon, écoutez, je pense qu'on va prendre l'autoroute. On va prendre l'autoroute. T'es où? Attends, quoique non. Non, j'ai envie de prendre les petites routes. Attends, on va réparer le camion. J'ai perdu Jolat. Maintenant. Okay. Non, je suis à Limoges, moi je suis en train de réparer le camtar. Je suis à Limoges, bon ça va, ça se passe bien les mecs, hein. Ça se passe bien. Hein. Non, ça ne me fait pas retourner de là où j'étais, non. Quand même pas. Est-ce que là il veut bien Bourges? Est-ce qu'il y a une remorque à Bourges? S'il te plaît.
Attends, je vais remettre mon GPS. Je veux là, tu m'as porté mal. Ah ouais, non, mais laisse tomber, quoi. J'ai Köln qui est en Allemagne. Ah bah Naïm, t'es là, toi? Ah ouais, je suis derrière. Bah ouais, du coup, j'ai... avec toi. Voilà. Il y a rien, du coup. T'as rien? Non, non. Bon, écoute, on est parti à Bourges, tranquillement. On va se la faire bien, cette fois-ci. J'espère qu'ils vont bientôt rajouter sur le DLC Orléans. Alors, Kev, je pense que Orléans, tu dois l'avoir sur le promode. Hein. Je pense, hein. Sur le promode, t'as des villes bien plus petites qu'Orléans, quoi. Obligé le volant? Non, pas obligé, mais très agréable. Eh ouais, j'avoue. Je dis sans volant. Mais non, tu peux jouer avec. Tu peux jouer avec le clavier si tu veux, tu peux jouer avec une manette. Jola, tu vas essayer ou pas BIMNG bientôt ou quoi? BIMNG, je l'ai. Déjà, j'ai déjà essayé. Je sais pas si je vais réessayer, faudrait. Pourquoi pas? S'il y a du monde qui me demande. Vous connaissez BIMNG dans le chat? Pas normal de préfabriquer la ville d'Orléans et pas la mettre. Oui, c'est vrai, parce qu'Orléans, c'est quand même une grande ville, j'avoue. Salut Alexis. Salut, salut. Oui, Exarkun qui nous dit qu'il connaît BMNG. Oui, Ark qui nous dit. Oh putain. Oui, merci Ark. Que je lui dis. Seigneur. Allez, petit clignotant. Naïm, t'es derrière? Tu suis? Nicolas? Oui. Naïm? Je crois qu'il est plus là. Enfin, je vais regarder. Arnaud qui nous dit oui! Salut Arnaud! Oui, il est au très bon jeu, BIMNG. Ouais? Ouais, franchement, il est cool, il est sympa, j'aime bien. Bon, je crois que Naïm, à mon avis, il a planté les mecs. Hein. Il y a de grandes chances. Hein. Moi, je fais une petite énigme pour pas planquer. Pour pas planter. Genre, j'ai mis Discord sur mon téléphone et je joue sur mon PC. Comme ça, ah, yes, j'avoue. Oh putain, c'est très dangereux ce que je fais là. Ne refaites jamais ça chez vous. Mais du coup, Jojo, t'as des gros. Jola, t'as des gros chargements ou pas du coup t'as des gros chargements? Genre, est-ce que t'as du 40 tonnes à transporter ou t'as pas? Je sais pas. C'est comme ça, si t'as à prendre un gros chargement lourd, on peut faire un gros transport. Ouais, mais ça, c'est quoi? C'est pas des. C'est une capacité à obtenir ou alors c'est des modes? Non, ça doit être une capacité, faut tout monter, je pense. Ouais, bah écoute, faut que j'essaye. Alors, je vais faire un truc super, super chaud, les gens. Surtout, ne reproduisez jamais ça chez vous. Attendez, je parle pas de prendre le rond-point et 90, bien que ce soit déjà chaud. Je vais répondre à un texto au volant. Ne refaites jamais ça. Vous savez que j'ai déjà failli me faire rentrer dedans par une meuf comme ça. L'autre, elle était sur son téléphone, gna 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 gna, tranquille. Bah ouais, mon vieux, elle était sur la voie de droite. Sauf qu'elle, elle arrive à contresens. No fake. Voilà. Ah ouais, j'ai foutu des coups de klaxon et tout. Bon, alors attendez. On va répondre à un texto. C'est extrêmement compliqué. Ça va être le challenge de la journée. Oh putain. Oh putain. Oh putain. Oh la vache. Oh la vache. C'est extrêmement chaud. Clignotant. Non mais sérieux, c'est ultra tendu quoi. C'est un truc de ouf. On parle bien de BIMNG Drive là. Oui, bien sûr, Exarkun dit BIMNG Drive. Alors, t'as... Oh, mon Dieu Seigneur. Tu vois ce que ça donne? Ah, ça va Naïm, c'est bon. Ça va? Ah bah il est revenu Naïm. Il est revenu. Et si pas, on l'entend plus, mon vieux. Ah bah du coup, je pense que quand ça a fait déco, je pense qu'il a quitté le Discord. Ah bah attendez, on va le réinviter. Oui, ah bah ça va Naïm. Essaye d'envoyer un texto quand t'es au volant, toi. Hein? Voilà. On fait jamais ça. Surtout pas. Voilà. Ok, c'est bon. C'est envoyé.
Oui, on va se garer. Voilà, on va se garer. Voilà, on met le frein à main. Non mais putain, mais il me rentre dedans en plus. C'est un truc de ouf. Il me reste 473 km. Non mais c'est une blague. C'est une blague, mon gars. C'est un truc de fou quand tu prends pas l'autoroute dans le jeu, quoi. Alors j'aimerais bien aussi me faire un petit défi. Franchement, ça aussi c'est un défi à faire. C'est-à-dire faire une route, faire une livraison sans GPS. Il y a Mystery Crazy qui vient de follow la chaîne. Normalement, le GPS intégré, tu l'as pas toi? Si, j'ai le GPS intégré, mais j'enlève le GPS. Je voudrais bien faire une route juste en suivant les panneaux, tu vois ce que je veux dire? Ah oui, bah ça j'ai déjà fait, ça, c'est bien. Bah, ça marche. Ça se fait, hein? Ça se fait. Lol, tu sais que tu te rallonges encore? Oh, je me rallonge pas là, les mecs. 450 km. Ça va, tranquille. Eh, franchement, si je croise l'autoroute, par contre, je vais la prendre. Si je croise l'autoroute, je la prends. Je prends la prochaine sortie, les gars. Attendez, on est où là? Non, non, moi je prends l'autoroute, Nem. Hein. Attendez, attends, je suis sur quelle autoroute? Je suis sur quelle autoroute? Attends. Ah bah non, je vais certainement pas prendre cette autoroute. Non, bah on va être obligé de sortir, hein. De toute façon on n'a pas le choix. Hein. Et si vous... Allez, c'est parti. Hein. Putain. Déjà fait une livraison sans GPS. J'ai déjà fait une livraison sans GPS, c'est facile. Ah ouais? Ouais, c'est chaud quand même. Hein. C'est pas plutôt 3 points et 135 €? C'est possible. Mais t'es malade, Arc, c'est quoi ces défis là? Bah conduire une seule main, je conduis déjà une seule main. Ça déjà c'est fait. Putain, et 434 km encore. Ah, juste livraison de l'enfer, mon vieux, pour faire Clermont-Bourges, quoi. Ce truc de fou. Alors, les vidéos YouTube, ce sera sur ma chaîne secondaire. Oh, le mauvais abonné, Nicolas. Il est même pas au courant qu'il y a une chaîne secondaire. Tu vois, en général, quand il y a un silence comme ça, il est en train de réfléchir. Tu vois. Non, mais je veux savoir si tu sortais un temps de vidéo ou si tu gardais juste comme ça. Non, ouais, il y aura une petite vidéo sur la chaîne secondaire pour les gens qui peuvent pas assister au live. Normal. Okay. On pense à nos très chers abonnés qui sont sur YouTube qui ne peuvent pas assister au live. Alors ça me fait rire aussi. Hein. Je vois souvent dans les commentaires, j'ai pas Twitch. Je peux pas venir, j'ai pas Twitch. C'est comme si tu me disais j'ai pas YouTube, je peux pas regarder. C'est... Enfin, Twitch c'est un site, t'as pas besoin d'avoir quoi que ce soit, tu vois ce que je veux dire? Voilà quoi, c'est comme YouTube. Sauf si t'es sur téléphone, je crois faut télécharger l'application. Voilà. Et encore, t'es même pas obligé de te créer un compte, il me semble, pour regarder. Si? Non, pour regarder, t'es pas obligé d'avoir un compte. Hein. Ouais, voilà, t'es même pas obligé d'avoir un compte pour regarder. Après, bon, bah, par contre, si tu veux parler dans le chat, comme nous dit Skyfree, salut Skyfree, effectivement, faut avoir un petit compte. Et c'est vrai que c'est toujours plus convivial. Ça prend 30 secondes à créer un compte. J'avoue, Exarkoon, j'avoue. Tu rentres ton adresse email, machin, nana, tu fais la confirmation, tac, hop, t'as créé ton compte. C'est très rapide. Par contre, je crois, juste ce que j'ai mis moi dans le chat, c'est qu'en fait, pour pouvoir parler, faut juste confirmer son email. Voilà. Parce que sinon, y a des mecs qui se créent 50 comptes, tu vois. What? Comment ça avec cette vitesse? J'ai fait un excès de vitesse, moi? Ça va, tranquille. J'étais à quoi? 90 en ville. C'est pas énorme. Hein. C'est moi ou Naïm bug? Mais Naïm, c'est soit tu restes devant, soit... Oh, un des deux, hein. Voilà. Parce que chaque fois que je veux le doubler, il accélère ou quoi? Eh, mais c'est un truc de fou. On va arriver à Bourges, ça va faire nu, mon gars.
On va arriver à Bourges, ça va faire nuit. C'est un truc de taré, quoi. Il reste 364 km. Mais non. Quoi? Pourquoi un camion Renault? Bah, c'est bien, un petit camion Renault. Qu'est-ce qu'il fout dans le champ, Naïna? Je sais pas ce qu'il fout, mon vieux. C'est pour les agriculteurs qui font toujours grève. Ah ouais. Eh, mais il est en vocal avec nous, Naïm, au fait? Oui, oui, il est là. T'es là? Bah oui. Bah, je t'entends pas parler depuis tout à l'heure. C'est mon son, il est trop bas. Hein? Mon son est trop bas. Nicolas? Ah bah, c'est Nicolas que j'entends plus. Allô, Nicolas? Némi? Naïm? Oui. Nicolas? Allô? Tu m'entends? C'est compliqué, mon vieux. Oui, je t'entends, oui. En fait, mon portable a fait un défi, il est tombé par terre. Ah, d'accord. Ah, c'est chaud. Effectivement. Oh merde. 170 euros d'amende et 3 points de moins. Oh, ça va, Skyfree, ça va. C'est rien, c'est rien. Oui? Tu vas faire tout ton live sur Eurotruck là. Comment? Tu vas faire tout ton live sur Eurotruck? Je sais pas, parce que tu voudrais que je le fasse sur quoi? Bah, je sais pas, on peut pas faire sur Scrap Mécanique. Hein? Sur Scrap Mécanique? Qui c'est qui peut bannir Nicolas là? Oh putain, où tu vas prendre un ban, mon vieux? Qui c'est qui? Venez sur Discord là, faut le bannir là. Non, 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 mais t'es malade toi? Ah, live sur Scrap Mécanique. Non, quel beau prank! Et Nicolas, je sais pas si tu nous parles avec un casque d'astronaute sur la tête. Quoi, tu m'entends bien là ou pas? Bah tout à l'heure on t'entendait bien. Mais depuis que t'as fait tomber ton portable, j'ai l'impression que je sais pas. Oh merde. Oh là là, mon Dieu Seigneur. Oh ça va, tu t'es relevé, t'as réussi à te relever. Je suis à 50% de dégâts. Bah tu m'étonnes, mon gars, tu viens de te manger un platane. Ah bah on t'a tous vu dans le rétro. Il coûte cher, ETS. Tu peux le retrouver sur G2A, Lucas, pour la modique somme de, je pense, 10 ou 15 euros. 10 ou 15 euros, voilà. Voilà, voilà, 10 ou 15 euros. Si d'ailleurs... S'il y a un modérateur qui veut bien spawner le petit lien G2A dans le chat... Si tu veux prendre le jeu ou quoi, ça fait toujours plaisir. Il est pas cher. Et ça me fait plaisir. Bon, on est où? J'ai pas vu la ville, Name. C'est quoi la ville? Les Riffs quelque chose. Les Riffs quelque chose, d'accord. Nantes. What? Mais c'est un truc de ouf, quoi. Mais, putain. Mais, putain, mais Name, mais t'es un ouf. Eh, cette route, elle est pas RP, les gars. Oh, merde. Pour faire, pour faire Clermont-Bourges, quoi, on prend direction La Rochelle, direction Nantes, Civaux. Non, mais c'est un truc de fou, quoi. Ce live, c'est on essaye d'aller à Bourges. Ah ouais, non, mais Bourges, la route de tous les défis, quoi. C'est un truc de malade. Écoutez, je vais devoir allumer les phares, mon vieux, ça va faire nuit, là. Bah, de toute façon, on va arriver à Bourges, il va faire nuit. Hein. C'est sûr, hein, regardez, il est 20h31 sur le jeu. Vous pouvez voir l'heure en bas à droite, sur le GPS. Chauffard, va. Ouais, ouais. Et mes petits coups de warning en plus. Tu fais quoi? Tu fais... Oh là là, mon Dieu Seigneur, mais... Mais non, mais ça, c'est pas RP, ça. Ça, c'est pas RP, ça. Dans la route, y a personne. Tu es RP non plus. Tu vas à Bourges et tu passes à Nantes, Lyon, Bordeaux, Le Mans. Non mais grave. Oh. C'est chaud. C'est dangereux de lire les textos volants. C'est très dangereux, ne refaites jamais ça chez vous. Voilà. Je sais pas où tu t'en vas, Naïm, mais c'était à droite. C'est un tour de manège. T'as fait un petit tour de rond-point. C'est bon. Coupe par les champs. Non, non, tu peux pas. Eh ben, bien vu. Bien vu, bien vu, bien joué. J'ai 100%. 100% de dégâts. Ah bah là, mon gars, je crois que tu retournes à Limoges, hein, non? Non, peut-être pas à Limoges, peut-être pas. Ah, j'espère pas. Non, je pense pas que tu retournes à Limoges. Si tu retournes à Limoges, mon gars... Non, impossible. Impossible. Non, non. C'est loin. Plutôt, plutôt très joli par là. On est un petit peu sur les routes... sur les routes de la Loire.
très joli par ici. Ah, je vais galérer à la bourge. C'est beau. Allô. Bon bah, je suis au Mans. T'es au Mans? Ah bah oui. Qui est au Mans? Name? Ouais. Putain, mais t'es au Mans pour la bourge, quoi. Ouais, c'est ça va être plus rapide, je pense. C'est quoi, chaud quand même, c'est tendu cette affaire. Ah bah et ouais. En plus, faut que je dorme. Ah bah ouais, mon gars. Et en plus, je suis en moins 6000. Ouais, ouais. Et en plus, moi, je prends la direction de Saint-Laurent. Ah! Enfin, voilà une vraie direction. Voilà. Là, ça me paraît un peu plus, tu vois, un peu plus probable. Il reste combien de kilomètres? Il me reste 226 kilomètres. Est-ce que ce serait pas les centrales de Belleville, ça? Je pense, hein. À mon avis, ils les ont... Peut-être qu'ils les ont refait dans le jeu, c'est tout à fait possible, hein. Les centrales de Belleville, très connues, quoi. Centrale nucléaire. Attendez, je vais regarder sur la map. Je vais m'arrêter. Je vais voir déjà si on a Belleville. En ville, non, pas du tout. Saint-Laurent... what? Qu'est-ce que j'ai foutu? Non, 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 non. Enlève ça. Ouah, attendez. J'enlève mon point. Voilà. J'ai enlevé mon point, là. Oh, non, bah merde. Écoutez, on n'a pas la ville de Belleville. Mais... C'est quoi, ça? Ça pourrait être ça. De... Somnolence. Ah bah somnolence, c'est qu'il faut que tu t'arrêtes. Hein. Ouais, salut Belgique. Ça va tranquille? Nicolas, est-ce que tu es toujours parmi nous? Ah. Je crois que Nicolas a quelques petits soucis de communication. C'est tout à fait possible. Ça galère un petit peu dans ta CB, Nicolas. En tout cas, c'est vraiment stylé par là, là, avec les centrales et tout. Vraiment, vraiment très, très stylé, quoi. C'est con que tu puisses pas rentrer dedans. Bah, tu peux peut-être rentrer dedans, je sais pas. Est-ce qu'il y a moyen de rentrer dans les... au moins dans la cour de la centrale? Ce serait tellement stylé. Pour aller visiter un peu. Bah, tu me diras, on est plus à ça près, hein, au niveau du retard, là. V'là cette route qui nous a fait prendre... T'es à Bourges? Non, non, non. D'accord. Oh non, somnolence. Ah, mais si, tu peux rentrer, hein. Oh alors, attends, 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 attendez. J'ai juste envie de voir. Ça m'intrigue, tu vois. J'ai juste envie de voir si on peut rentrer. A mon avis, il y a moyen de rentrer, je pense. Il y a moyen. La grille, elle doit s'ouvrir, non? Il n'y a pas de livraison à faire ici? Ah, c'est dommage, non, putain. C'est dommage. Ça ne s'ouvre pas. J'espère qu'il n'y a personne derrière. Voilà. Du coup, tu peux pas y aller. C'est largement mieux de pas prendre les autoroutes en vrai. Ouais, mais bon... ça dépend où tu vas, du coup, tu vois. Ça dépend grave où tu vas, parce que là, pour le coup, la route... voilà. La direction, en tout cas, la direction n'est pas très réaliste, quoi. Pas du tout. V'là le détour qu'il nous a fait prendre pour aller à Bourges. Normalement, dans la vraie vie, tu fais pas ça, même sans prendre l'autoroute, quoi. Tu passes pas par direction Nantes, tout ça, laisse tomber, quoi. C'est improbable. Sauf si t'as du temps à perdre. On est à Rigny-UC. D'accord. Sympa, ce petit château, là, à côté. Très stylé par ici, là. Hein. Vraiment, ils ont refait ça bien, là, les petits châteaux de la Loire et tout. Très, très stylé. J'avais pas eu l'occasion de passer par ici, vous voyez. Moi, en général, je prends tout le temps les autoroutes. Et c'est vrai qu'on prend pas assez de temps pour admirer tous ces petits villages. Désolé, Jolat. Il n'y a pas de souci, Alexis. Tu es excusé. Après, j'ai pas été non plus... j'ai pas fait beaucoup de routes, hein, sur le jeu. Hein. Je suis surtout resté en France, en fait. J'ai surtout fait France, Royaume-Uni un petit peu.
j'ai pas été très très loin quoi. Oh, pop, 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 pop. Wow, c'est chaud, c'est chaud, c'est chaud. C'est le vrai château de UCE en Indre-et-Loire. Ah, c'est tout à fait possible, Kaeva. C'est tout à fait possible. Ça ne m'étonnerait pas. Il y a moyen de prendre l'avion ou non? Non, non, tu peux pas prendre l'avion dans le jeu. Tu prends uniquement le camion. Alors, bien sûr, par contre, tu peux prendre le train. Voilà, c'est-à-dire que tu peux mettre ton camion sur le train, bah, comme en vrai, quoi. Pour, par exemple, passer sous le tunnel sur la Manche. Tu peux prendre le bateau, les ferries. Tu peux monter sur le camion, sur le bateau avec ton camion. Oh là là. Je suis au Mans. De quoi? Je suis au Mans. T'es au Mans? Je voudrais bien te parler, mais ma mère veut pas que j'ai Discord. Ah bah, si ta... si ta mère ne veut pas que tu Discord, c'est normal. Tu devrais aller en Belgique, il y a des frites et des embouteillages. Ah, ça, ça je te crois. Ouais. Surtout des frites, je pense. Non, non, tu peux pas sortir du camion, Ultimaco. Ah, c'est pas GTA. Hein. Ça aurait été cool, quoi. Voilà. Très sympa, ces petites routes ici, là. C'est vraiment ultra stylé, quoi. Tu vois, je découvre une nouvelle facette de Road Truck. Non, parce que moi, j'ai tout le temps l'habitude de voir que des autoroutes, quoi, tu vois. Oh, putain, on a même une cabane abandonnée ici. On pourrait faire un petit urbex et tout, c'est... Un petit urbex. Mais c'est tellement stylé, en vrai. C'est vraiment stylé, quoi. Ah, c'est dommage que tu peux pas prendre les petits chemins et tout comme ça, là, tu vois. Tu vois, ils auraient dû faire un peu plus de chemin, quoi. En vrai... Attendez, je vais remettre la vue comme ça. En vrai, ils pourraient faire plus de chemin dans Euro Truck, tu vois. Ils pourraient, franchement. Voilà, même si je sais que la map, elle est déjà grande, tu vois. Mais ils pourraient en faire plus. Ah non, oui, c'est pas GTA, les mecs. Oh, putain. Merde. Je lis vos textos, là, et je me retrouve dans le fossé. Bon, 136 km, on commence à en voir le bout, tranquillement. On va rallumer les phares avant que je me fasse ban. On est toujours en ligne, hein. Oui, on est toujours en ligne. Ah, Nicolas est parti. Naïm? Oui. Ah bah, Nicolas est parti. Oh. Nicolas n'est plus parmi nous. Plus de chemin de terre Ouais, ouais, mais bon. Oui, tu peux jouer à Spin Tire, effectivement. D'ailleurs, j'adore Spin Tire, il est vraiment excellent, quoi. Oh putain! Salut Anonymox! Merde! Merde! T'arrives tout le temps au mauvais moment, voilà, putain! Mais fais chier, quoi! Putain! Ah, c'est... mon vieux, ce chat noir, comment qu'il m'a porté la poisse, en vrai, le mec! Ça faisait flash, je sais pas combien de temps qu'on avait pas eu un accident! Yannimox qui arrive, mon vieux, mais t'as tout foutu en l'air, quoi. Laisse tomber. Putain, j'étais presque arrivé en plus. Oh, je pense qu'il va me remettre à Saint-Laurent. Attendez. Non, peut-être qu'il va me remettre directement à Bourges. Oh, bah, si je vais à Limoges, les gars, on abandonne la mission, j'en fais une autre. Hein. Ouais, voilà, c'est mort. Attendez, on va appeler la dépanneuse. Non, non, mais t'es fou, toi. Ça faisait plein un moment qu'on n'avait pas eu d'accident, là. Ça faisait un moment qu'il n'y avait pas eu d'accident. Hein. Ça roulait bien, tu vois. Tu roules où bah là, dans le fossé, pour l'instant. Mais sinon, on va jusqu'à Bourges. Attendez, je vais faire un truc parce que j'ai remarqué quand même que ça, c'est pas très propre. Au niveau de ma caméra, je vais juste enlever. Hop, voilà. Et comme ça, c'est mieux. Bon, allez, conduire. Donc oui, sinon, Emilia, en fait, on roule à Bourges. Jusqu'à Bourges. En passant par les fossés. Bien entendu. On va réparer tout ça. Let's go, Name, t'es dans le coin? Ouais, je suis à 150 km de Bourges. 150 km de Bourges? Ouais. Ouais, moi, j'ai mangé du dégât sur ma Smia quand même. Hein. Moi, je suis à 200 bornes. De Bourges? Ouais.
200 bornes de Bourges. T'es où? Ah bah je suis pas arrivé, mon vieux. Mais je suis à 200 bornes, ça va, ça se dessine tout doucement. Tranquillement. En tout cas, j'ai vu quand même que sur YouTube, bah et sur Twitch aussi, hein, vous avez l'air d'apprécier. Vous appréciez pas mal les vidéos de Euro Truck Simulator. Donc ça me fait plaisir. Parce que moi, vraiment, je kiffe. Et t'es où, toi? T'es en direction d'où, Name, là? Là, je suis sur l'autoroute. Ah oui. Ouais. Toi, tu t'es mis bien, quoi. Ah non, mais attends, il est trop... C'est officiel? Non. Non, c'est pas officiel, Animox. Ah bah attends, Stupra Diou, je ferai ça quand j'arriverai à Bourges. Je te m'ouvrai. Vous devez débloquer le différent. Oh là là! Ney, mais qu'est-ce que tu fais? Tu te mets ton micro dans les fesses ou... Non, mais c'est juste que j'allais faire quelque chose, mais du coup j'ai failli me retourner et me retrouver encore au Mans. T'es au Mans? Non, j'ai failli. Ah ouais, c'est chaud là. La chapelle Saint-Ursin. Ah bah quand il y a la chapelle Saint-Ursin, c'est que on est bientôt arrivé. Bourges, le village des courges. Tout à fait. Allô. Ça marche, Animox? Oui. Allô. Oui, Nicolas. Oui. Oui, on t'entend. Ouais. Ah super. Moi, j'ai un bug depuis on voit qu'elle est tombée, mais ça buguait. Je t'entends. C'est Alexandre qui te move à chaque fois, non? Ou c'est toi qui arrives à te mouver tout seul, ça m'étonnerait. D'accord. Non, c'est Alexandre, je pense. Ah, merci Alexandre. Un bon modérateur, Alexandre. Bon, Violette. Oui. J'ai une question. Est-ce que c'est normal que j'ai une Mercedes, donc une voiture Mercedes, mais j'ai ma remorque de camion accrochée à l'arrière? Ah non, c'est pas RP ça, non. Non, c'est pas trop RP. Non. Voilà. D'ailleurs, les gens, j'en profite pour faire une petite pub si vous voulez rejoindre le Discord. Je sais pas si, par exemple, Animox... Ah bah non, Animox, il est parti. S'il y a un modérateur qui veut mettre le lien... Faudrait que je le mette en dessous, là, dans les infos du Twitch. Là, faut que tu mettes la commande e-discord. Ouais, je sais, mais... Je sais plus comment qu'on fait tout ça, moi. Isouda! Bon, on est presque arrivé à Bourges, les gens. Par contre, c'est pas très RP, hein... Bourges, ça a jamais été à 160 km d'Issoudun, quoi. Ok, c'est bon, j'y suis. Oh la vache, mon gars. Yes. Ça passe, mon gars. Yes. Bourges. Excellent, quoi. Je ferais mettre un compteur, hein, sur combien de fois tu te retournes. De quoi? Je vais te mettre un compteur de combien de fois tu te retournes. Je me suis pas retourné, hein. Je me suis pas retourné, là. J'ai failli. T'as fait des... Par contre, il arrive à faire des accidents tout seul. J'ai failli me retourner, mais non. Non, ça passe. En tout cas, super sympa, ces petites routes de campagne, là. Vraiment très stylées. Donc, là, il y a Bourges... Juste, attends. J'ai envie de m'arrêter sur le côté, vite fait. Je vais regarder un truc. Tu es où à peu près de Bourges? Attends, je suis à Issoudun pour la Bourges. Ah ouais, non, mais ouais, c'est super RP, quoi. Mais je comprends pas, quoi. Saint-Laurent. Ah ouais, ok, d'accord. Ah bah ouais, il me fait faire... Ok, d'accord. Ok, il me fait faire tout le tour. Pour Jolotte, Bourges, c'est comme Canan pour les Hébreux. What? Je ne sais pas de quoi tu me parles, Exarcoon. Dans le Loir-et-Cher, tu vas passer à Celles-sur-Cher dans le Loir-et-Cher? Dans le Loir-et-Cher? je sais pas. Je pense que ça, tu peux l'avoir avec les promodes, Kev. Mais peut-être pas comme ça de base. Hein. Le racisme. Alors c'est Belgique qui nous dit tout à l'heure Bourges, la ville des courges, et maintenant tu nous parles de racisme. What? C'est toi le raciste, Belgique? Y a pas de racisme ici.
Bah ouais, grave. Tu sais que tu as démarré il y a une heure à Clermont-Ferrand. Ouais, 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 je sais, je sais. Non, c'est vrai, je sais. Déjà. Ouais, il y a une heure déjà. T'es sûr que ça fait pas deux heures? Non, non, mais ouais, c'est normal. Bon, on est presque arrivé, regarde, il reste 110 bornes. 110 bornes. Ah bah, on est à celle sur chair, tiens, Kev. Dédicace. On est à celle sur chair. Tu vois, mauvaise langue. Je pensais qu'il l'aurait pas mis. On y est. Donc écoute, Kev, en ton honneur. Petit coup de klaxon, petite dédicace. Regarde, on va repasser devant ton panneau. Ouais, c'est vrai, en même temps, je suis liégeois du calme. Ah, c'est pour ça. Attends, tu es avec nous sur Discord, c'est quoi déjà son nom? Name. Jérémy. Celle sur chair. Celle sur chair, on y est là, les gars. Voilà. Ouais, il y a celle sur chair. Est-ce que tu joues au volant? Name. Là ouais. Non, pas encore. Non, parce qu'en fait, je suis en train d'économiser exprès pour avoir le volant vu que tu joues. Là, bah, en gros, tu m'as fait dépenser tout mon argent à cause de tes vidéos, génial, merci. Oh merde. Ah mince alors. Zut. Je crois que ça fait 400 euros que je vais mettre dans Euro Truck. 400 euros. Ouais, bah, j'attends pour avoir un bon volant de 150, 300. Et après, avec tous les DLC et tout. Mais tu prends de quoi comme volant? Je sais plus, c'est en un à 250. Je sais plus c'est lequel. Moi, j'ai le G25, franchement, il va. Il dépote quoi, il est bien. Et il fait alors, oui. Non, non, bah attends, je vais essayer de finir Nine. Non, non, mais non, c'est bon. Ah, ok. Oui. Tu vois, quand c'est, tu faisais encore des vidéos Roblox, enfin, quand tu faisais. Vas-y, Nine, à toi. À ton tour. Et du coup, pour les vidéos Roblox. Ok, suivant. D'accord. Putain, Saint-Laurent découverte. Saint-Laurent. Non mais les gars, si, voilà, je vous dis juste, s'il n'y a pas telle ou telle vidéo, c'est juste parce que j'ai pas envie de les faire. Quand il y a une vidéo sur la chaîne, peu importe soit-elle, c'est parce que j'ai eu envie de la faire. S'il n'y a pas une vidéo en spécial sur la chaîne, il faut pas te poser la question. C'est, la réponse, c'est parce que j'avais pas envie de la faire. Non, parce que j'avais installé un auto-piqueur pour venir. Ah, moi aussi. Un quoi? Oh, c'est qui ça? What? Il y a une bagnole qui vient de se retourner devant moi. Les mecs. C'est quoi, auto-piqueur? Auto-cliqueur. Ah, auto-cliqueur. D'accord. En fait, je voyais que t'étais con. En fait, j'essayais de t'en rejoindre, mais toi, ça marchait jamais. En fait, un auto-cliqueur. En fait, du coup. Ah, ok, d'accord. Il a fait me rentrer dedans avec sa bagnole. Eh, hey, il reste 70 bornes, les mecs. Hein. On est presque arrivé. Hein. 70 ? 70 bornes, on est presque arrivé. Hein. Voilà, je pense qu'après ça, on va aller du côté de la Russie ou je sais pas. Non. Non, je sais pas. Attends, pas. En fait, faudrait que j'améliore encore les longues distances. Tu vois ? Faudrait que je le mette à fond. C'est Sofiane. On lui dit rien, je suis sûr, il sait même pas qu'on est sur le live. Attendez. On y dit rien. Ah! Ouais! Ouais! Ah. Oui, Nathan! Ouais, ça va? Ça va, ça va, tranquille! Tu faisais quoi? Rien, j'étais jeune étudiant mon montage! Oh putain! Ouais, pour tes abonnés, ça! Ouais! Ils sont chiants, tes abonnés! Tu trouves comment, tes abonnés? C'est bizarre, frère, tu me dis ça! Comment tu trouves, toi, tes abonnés? Bah, je les aime bien, mes abonnés. Merci Lulu pour ton don. Merci Lulu. Merci Lulu. Non, ouais, on est en live. Hein. Ouais, ouais, t'avais vu le live, je suis sûr que t'as vu. La vérité, j'ai pas vu. Ce moteur. La vérité, j'ai pas vu, je te jure, j'ai pas. T'es sur Twitch là? Ah, ouais, je suis sur Twitch. Là, tu peux passer bonjour, s'il te plaît. Ah, bah écoute, bah Sofiane, tu veux pas venir sur Discord? D'accord, allez. Comment tu trouves tes abonnés un peu? Moi, je t'aime bien les abonnés, ok. Oh là là. Oh là là, Seigneur. Je vais sur quoi? Un salon vidéo?
Ouais, vidéo, ouais. Salut. 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 Merci Lulu pour le temps. Merci Lulu. Il est tout le temps là, Lulu, tout le temps. Sacré Lulu. Ouais, monsieur, ouais, et alors tu veux nous rejoindre? Tu veux nous rejoindre? Non? Oui. Hein oui. Oui, c'est un très bon jeu. J'ai joué un peu à No Man's Sky, j'ai fait un peu mes quêtes. Quoi? Oh, tu m'as dit la dernière fois que tu avais joué en live. T'as joué à No Man's Sky? Ouais, tout seul un peu, ça c'était bien. Toi, t'as joué à No Man's Sky? Ouais, mon gars. Ah ouais, mon gars. Ouais. C'est bien. Il est bien, hein. Aime bien No Man's Sky. Hein. Voilà. Je pense que c'est bien. Il est bien No Man's Sky. Hein. Ça veut dire faire un petit No Man's Sky dans le chat? Qui veut faire un No Man's Sky dans le chat? Qui veut No Man's Sky? Qui veut No Man's Sky? Dites-nous dans le chat. Et bien sûr, sur la vidéo, dites-nous si vous voulez suite de No Man's Sky. Ouah, il y a Ultimaco qui dit moi. Je suis ton guide. En fait, il y a que Ultimaco, quoi. Quelqu'un d'autre à part Ultimaco? Moi, Belgique. Taureau qui nous dit non. Belgique, bon, pour l'instant, c'est les oui qui remportent. Deux oui contre un non. No Man's Sky, deux oui contre un non. Qui dit mieux? Allez, Xarkun, trois oui contre un non. Je pense qu'on va partir sur No Man's Sky. 3 contre 1, oui, ça, oui, fait oui. Ça fait 3 contre 1, ça fait 4 contre 1, ça fait 5. Oh là là, on va aller sur No Man's Sky, les gens. Je vais encore pendant 20 minutes, je fais un rendu. Tu fais un rendu? Ouais, mon gars. Oh là là, bon bah écoutez, on a le temps de faire une livraison en fait. Voilà. Bah, qui peut continuer au Rotrock? Voilà, on a le temps de faire des livraisons. Nicolas, ça va, Nathan, il laisse Rotrock. Merde. Ça va, je laisse Rotrock. Eurotruck. Allez. T'as combien de kilomètres de Bourges? Je suis à combien de kilomètres de Bourges? Je suis presque arrivé là, je suis à 4 km de mon point là. Ok. Je suis presque arrivé. Déjà, tu m'as jamais posé cette question de ta vie. Est-ce que t'as bien été là? Je sais pas cette question. Ouais, je me suis fait griller. Bon, allez. Allez, on est arrivé, les gens! Yes! T'es quel côté de Bourges? Je sais pas, mon vieux. Je suis du côté d'où je dois livrer. Dans la jardinerie, je suis à une pépiniériste là. Oh yes, putain, enfin arrivé à Bourges, quoi. Oh là là, seigneur, mon dieu, que c'était long. C'est un truc de fou, quoi. C'est quoi ce jeu, nous dit Théo? C'est Roblox, 1h30 plus tard. C'est la nouvelle mise à jour de Roblox, elle est stylée, putain. Les gens. On a fait 1h30 pour faire cette livraison. C'est un truc de fou, quoi. Alors, on va voir... Ouais, ça... Bah oui, monsieur. T'es un gamer. Ouais, moi, je suis un gamer, hein. Alors attends, je vais voir où est-ce qu'on... Ok, d'accord. On va mettre la smith. Je suis à Bourges, mais je te vois. Normal. Je suis dans une jardinière. Ok. Voilà. On se met bien. Voilà, comme ça. Oulala. Regardez ce skill. Regardez ce skill. Regardez, merde, j'ai fait le con là. C'est pas comme ça que j'aurais dû me garer. Jolat ? Oui ? Moi sinon je pense que je vais te laisser parce que je vais devoir aller chercher mes lunettes. Ouais. Je vais te laisser, j'en aurai peut-être à l'heure si t'es encore en live ou sinon je passerai un autre jour. Ça marche, Nicolas. Ta-ta-ta-ta-ta. Voilà, t'as quand même. Alors bah à mon avis je suis en retard de ouf quoi. Raisonnable. Bon. Le prochain truc qu'on va augmenter, c'est les grandes distances. Belgique Art, t'auras bien un moment avant de follow, mon vieux. Il était pas sûr. Bon, allez, continuez. Yes, travail raisonnable. Eh bien, c'est nickel. On a fini enfin cette livraison pour aller jusqu'à Bourges, de Clermont à Bourges. Je sais pas combien de temps qu'on a mis. On a mis combien de temps? On a mis au moins 1h30, mon gars.
1h30 cette livraison. Elle aura été super longue. En tout cas, on a fait un super trajet sur la route et tout. C'était vraiment super classe. Voilà. Tu penses quoi de Fallout 76? Moi, j'ai plus d'argent. Il déchire. Vous pourrez l'acheter d'ailleurs avec le lien G2A. Fallout 76, il est beau. Il est très beau, monsieur. Ouais. Ouais. Parce que à deux, ça pourrait être vraiment très drôle. Ouais.